préparez-vous, dans quelques instants, ils vont arriver, nos hôtes. Et le message est clair, dès qu'ils feront leur entrée, nous allons dire non, non au terrorisme. Que vous soyez commerçant, étudiant, élève, député, maire, nous allons dire nous allons dire aujourd'hui non au terrorisme. السادة المشاهدين مشاهدي الفضائية الإحتجاجية في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نلتقيكم في هذا الصباح الباكر الأحد 26/11/2017 بقصر الخامس عشر بمدينة أنجمينة لنقل لكم هذا التجمع والحشد الكبير لجمعيات المجتمع المدني بمختلف طوائفها وأفكارها اجتمعت لتندد بالتصريحات والصيحات الأمريكية التي اتهموا فيها رئيس الجمهورية رأس الدولة بتلقي الرشاوى وأيضا بمنع المواطنين التشاديين من دخول الأراضي الأمريكية بحجة أن تشاد لم تكافح الإرهاب بالشكل المطلوب بالرغم من شهادة المجتمع الدولي حول جهود تشاد في استرباب الأمن بمختلف مناطق النزاعات في إفريقيا في نيجيريا والنيجر والكاميرون محاربة جماعة بوكو حرام وأيضا في أفريقيا الوسطى تدخل الجيش التشادي لمنع التوترات والنزاعات العرقية وإحلال السلام في هذا البلد الجار كل هذه الجهود التي قامت بها قواتنا الباسلة بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لما تعجب الإدارة الأمريكية أم ماذا؟ ومع ذلك تتهم تشاد بالفساد وتتهم تشاد بالإرهاب فالشعب التشادي متضامن وملتف حول القيادة وملتف حول الشرعية والكل يندد بلا وألف لا للإرهاب وألف لا للفساد ألف لا للإرهاب وألف لا للفساد الزميل آدم عبد القادر Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Vous nous suivez depuis le palais du 15 janvier où se déroule le meeting de soutien pour le président de la République. Comme vous le voyez sur votre petit écran, toutes les composantes de la société sont ici. Ce matin au palais du 15 janvier pour dire non d'une seule voix, non, non à l'impérialisme comme on peut le lire sur les différentes banderoles, non à l'impérialisme. Le leader d'un pays n'a pas besoin de recevoir donc de leçons d'un autre pays. Les jeunes, les femmes, les hommes politiques, toutes les différentes couches sociales sont ici ce matin au palais du 15 janvier pour dire non à certaines accusations portées au président de la République, Idriss Déby Itno. Les élèves, comme vous pouvez le voir, ont laissé vide leur salle de classe. Les femmes ont laissé leur foyer. Les hommes politiques ont laissé leurs activités. Les bureaucrates également ont vidé leur bureau pour se retrouver ce matin au palais du 15 janvier. Une manière de dire non, non, non à l'accusation portée au président de la République Idriss Déby Itno. فعلا الان هذا تجمع الحاشد وهذه اللافتات المرفوعه والتي تندد فيها جمعيات المجتمع المدني بحريه تشاد واستقلال تشاد في قراراتها واستغلال تشاد ايضا استقلالها في كل قراراتها وفي مصيرها وبالتالي ليس الحق لأي دولة أو أي شخص التدخل في شؤون تشاد والكل ينفي هذه الاتهامات وهذه التصريحات الباطلة
والكل يعرف مقدرة تشاد ومقدرة رجال الدولة في تشاد. Notre Tchad à nous est souverain. Le Tchad restera indivisible. Nous ne sommes pas un pays terroriste. Nous allons dire tous ensemble à bas l'impérialisme des États-Unis. La décision des États-Unis d'interdire l'accès aux Tchadiens aux États-Unis, nous allons dire que c'est une décision illégale, voire un affront. Le Tchad est un pays qui lutte contre le terrorisme. Les États-Unis ont accusé notre président, mais nous allons dire non, 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 non. Non, 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 non. Pas ça, notre président. Non, 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 non. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons vous donner le programme de cette cérémonie. Nous allons écouter la motion de protestation. Après la motion de protestation, viendra la motion de soutien et de confiance au président de la République, Son Excellence, chef de l'État. Après la motion de soutien, viendra l'allocution du président du coalition « Touche pas à mes acquis », M. Mahamat Diga Dimbaye. Sans plus tarder, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons écouter la motion de protestation. Merci. Considérant que le Tchad est un État de droit souverain, indépendant, consacré par la Constitution. Considérant l'acharnement et le dégrément dont font l'objet de Tchad et son président ce dernier temps par les Nations Unies américaines. Considérant les énormes sacrifices tant humains, matériels et financiers consentis par le Tchad pour le combattre les terroristes. Nos plateformes des organisations de la société civile réunies ce jour le 26 novembre 2017 rejetant toutes ces accusations gratuites et non fondées qui tendent à tenir l'image du Tchad et son président. Descendant l'inscription du Tchad sur la liste noire des États terroristes. La motion de protestation sera remise à M. Ali Kimi. Merci beaucoup. Après la motion de protestation qui a été remise à M. Ali Kimi, nous allons cette fois-ci écouter la motion de soutien et de confiance au président de la République, chef de l'État. Camarades, applaudissez fort! Applaudissez fort! Merci. Motion de soutien et de confiance au président de la République, chef de l'État. Considérant les affabulations calomnieuses, grossières, non fondées contre notre président de la République, dictées par les intérêts économiques particuliers. Considérant les campagnes de haine visant à déstabiliser les institutions, le progrès de notre pays. Nous, plateforme de la société civile, touche pas à mes acquis. Rejetons l'acharnement contre le président de la République. Réitérons et confirmons notre confiance totale dans l'intégrité morale, les qualités civiques et le haut degré de patriotisme de notre président de la République, chef de l'État, la plateforme. Après la motion de protestation et la motion de soutien de confiance au président de la République, chef de l'État,
Nous allons, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette fois-ci, écouter l'allocution du président du coalition « Touche pas à mes acquis », M. Mamad Djigadim Mbaye. Mesdames, messieurs, chers collègues, face à cette grande mobilisation patriotique, je demande à tout le monde de se lever et de chanter d'abord l'hymne national de la République du Tchad. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Oh mon pays, Dieu te prenne en garde. Que tes voisins admirent tes enfants. Joyeux, pacifique, en avant, en chantant. Fidèle à tes ancêtres qui te regardent. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Mesdames, messieurs, patriotes et républicains de la société civile, face à cette gigantesque mobilisation citoyenne, au-delà des clivages et appartenances politiques, l'émotion est grande et la joie est immense. Lorsque nous mesurons le degré d'engagement de chacune et chacun dans ce combat que nous menons pour l'honneur, la respectabilité et la dignité du Tchad et de son peuple. Cette mobilisation citoyenne gigantesque, patriotique et républicaine des 10 acteurs de la société civile tchadienne vise à défendre jalousement notre pays, victime des visées de déstabilisation des États-Unis d'Amérique, la première puissance mondiale. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que le Tchad, notre pays, est à l'avant-garde du combat contre le terrorisme. Notre pays, le Tchad, est la bête noire des terroristes et l'ennemi numéro un à abattre. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que chaque jour qui passe, des Tchadiens versent leur sang sur le théâtre des opérations contre les terroristes. Des familles tchadiennes entières sont endeuillées, et ce, pour protéger et défendre notre pays. L'Afrique et les peuples du monde contre la barbarie terroriste. Aujourd'hui encore, il n'est un secret pour personne que le Tchad a mis son trésor dans la guerre contre le terrorisme et est payé en monnaie de singe. Ironie du sort, face à tous ces sacrifices, ironie du sort, le président des États-Unis, Donald Trump,
accuse le Tchad, notre cher et beau pays, d'être le nid des terroristes et d'agir en connivence avec des djihadistes. Accepteriez-vous cela? Il prend aussi pour la circonstance un décret d'interdiction de séjour des citoyens tchadiens aux États-Unis. Face à cette situation, chers frères et sœurs, n'a-t-on pas le droit de réagir promptement et dire au gouvernement américain non, non et non? Pire encore, le gouvernement américain persiste et signe. Cette fois-ci, c'est le président de la République du Tchad, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, qui fait l'objet d'une vaste campagne de dénigrement et d'accusations gratuites. Vu la gravité de l'accusation, sommes-nous, chers amis, chers collègues, sommes-nous obligés de nous taire? Sommes-nous obligés de nous résigner parce que c'est les États-Unis? Sommes-nous obligés de nous taire et d'accepter l'humiliation? Sommes-nous obligés de nous taire et d'accepter l'affront et les insanités contre notre pays et notre président de la République? Si le gouvernement, aujourd'hui, tient un langage diplomatique, c'est son droit. Nous, au niveau de la société civile, nous exprimons aujourd'hui notre colère et exigeons, je dis bien exigeons, au président Trump et son gouvernement une excuse publique au peuple tchadien. Nous exigeons cela. Mettre la République du Tchad sur la liste noire des pays terroristes et accuser le président de la République du Tchad de corrompu, c'est une atteinte grave aux principes fondamentaux qui sous-tendent notre République. La société civile exige au président Trump et au gouvernement américain réparation. Par la même occasion, nous condamnons les visées déstabilisatrices des institutions de la République du Tchad par le président Trump et son gouvernement à travers ses harcèlements et ses ingérences dans nos affaires intérieures. Rejetons et protestons contre toutes les calomnies, les allégations, les mensonges et les campagnes de dénigrement contre le Tchad et son président. Mesdames, Messieurs, chers collègues, militants convaincus de la société civile, patriotes et républicains que vous êtes, posons-nous une petite question. Si aujourd'hui un ministre africain ou un chef d'État africain accuse officiellement un président d'une puissance occidentale de corrompu, ou encore accuse cette puissance de terroriste, imaginez la suite. Il fera face à une résolution contraignante du Conseil de sécurité. Dans le pire des cas, il fera face à la foudre de l'OTAN. C'est ça la vérité.
C'est ça la triste réalité. C'est ça aussi l'injustice qui gouverne les relations internationales et que nous dénonçons aujourd'hui. Un président d'un État souverain n'a pas à recevoir des dictats d'un État si puissant soit-il. Nous disons ensemble, ne touchez pas à notre président Idriss Déby Itno. Ne touchez pas à notre République le Tchad. Ne touchez pas au peuple tchadien. Les États-Unis sont une puissance, mais le Tchad est une puissance par sa conviction plus que les États-Unis d'Amérique. Vous qui êtes ici, vous constituez une force, une armée qui peut faire face à la première puissance mondiale si aujourd'hui notre honneur, notre intégrité, notre équité est remise en jeu. C'est pour vous dire que ce rassemblement patriotique et républicain est fait pour défendre le Tchad. Ayons l'amour de notre pays. Malheureusement, c'est vrai, il y a des opinions qui, malgré le moment crucial que le Tchad est en train de faire face, il y a des opinions, malheureusement, qui cherchent à rétrograder la valeur de notre pays. Mais c'est des opinions minuscules, minimes. Mais la grande partie des Tchadiens, les 99% des Tchadiens, sont pour l'honneur, la dignité et la respectabilité de notre pays. Mesdames, Messieurs, que la société civile soit à partir d'aujourd'hui un rempart contre toutes les puissances ou pays qui chercheraient à discréditer notre pays, à déstabiliser nos institutions. Soyons animés par un engagement patriotique et républicain lorsqu'il s'agit des intérêts de notre pays. Mettons à côté nos clivages ou nos appartenances politiques lorsqu'il s'agit de l'honneur et de la crédibilité de notre pays. Le président, quand on accuse le président de la République, quand on accuse, ce n'est pas la personne d'Idriss Déby Itno qu'on accuse. Sa personne ne nous importe. Mais il porte la casquette, il porte le costume de président de la République du Tchad. Et c'est ça l'aspect le plus important. On ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, le président d'une République et notre République soit sali. En salissant le président de la République, on salit le peuple tchadien. On remet en cause l'histoire de la lutte de notre peuple. Mesdames, Messieurs, je vous remercie beaucoup. Je suis très ému parce que c'est un problème qui nous tient à cœur. اليوم وصفت للأهلم في شهر أوتو قلت لا أوتو ما تقصدوا لأي أهل أي نادم ولا أي بلد يلا بلدنا تشاد وصفت شهيدا وبعد كمان نشكر كل المسائل لنا المير دول الديبوتي دول الكونسي دول كل جماعة الجويني الكوميرسا دول كل الخلينا كما في شكرناكو ألف شكر اليلا ببلدنا تشاد ده يلا بإينا وسيدا شكرا افضل دير بوسود وما دي فنا افضل دير بوسود وما دي فنا موسيقى اليوم يوم نسيل بلدنا ونينا جري اليوم يوم نسيل التشاء ونينا جري يفاي